Parce que je suis graphiste, hein, c'est arrivé depuis 12 ans. Et donc, à la naissance de mon fils, j'ai eu besoin de renouer avec ma passion, le dessin. J'avais vraiment envie de véhiculer des messages qui m'étaient chers. Donc, j'ai créé la marque La Brocante, qui est composée de « to brock » en anglais pour « casser » et « hant » pour « hanter », en fait. Parce que j'aime peindre des portraits de créatures fantastiques. Et je les encadre avec des objets, des cadres trouvés en ressourcerie ou en brocante. C'est quelque chose réalisé avec le cœur, de la façon la plus authentique possible, fait avec les produits qu'on trouve autour de nous en local, les compétences en local, de la façon la plus éco-responsable possible. Pour sortir de mon grenier où je mène à bien mes petites expériences créatives et bénéficier d'un tissu de personnes, d'artisans, de créateurs qui sont dans la même démarche que moi, c'est le réseau, c'est la diffusion sur le web, c'est le fait que cette organisation monte nos produits à Paris par exemple ou dans différents endroits en France pour montrer nos compétences corréziennes. La Corrèze, c'est toute ma vie. Ça n'a pas toujours été parce qu'en fait, j'ai pas choisi de venir ici. Aujourd'hui, je suis vraiment heureuse parce que j'ai trouvé une vie beaucoup plus sincère et authentique. La nature est une vraie source d'inspiration pour moi. Les paysages sont fantastiques. Donc en fait, c'est la chance de pouvoir développer ses projets personnels, professionnels, dans un cadre de vie super agréable, quoi.